Bonjour Olivier, nous tu es partagé le direct. Je vais faire un petit direct à mon heure de pause. Je vais parler à Niemek. Blériot, regarde même d'abord ton prénom. Je suis fâché contre toi. Blériot, regarde. Voilà ça, avec lequel je veux fouetter tes fesses là. Niemek, passe ici. Franchement, il ne faut pas gaspiller le respect qu'on a pour toi des fois, hein, Niemek. Vous savez, les gens mélangent tout, en fait. Les gens mélangent tout, les gens emmêlent tout, les voilà quoi. C'est, vous savez, dernièrement, je vous disais un peu encore sur la toile que Blériot Niemek était l'incarnation même de la sagesse. Et moi, quand je rentre chez moi le soir, qu'est-ce que je fais? Surtout quand je travaille comme ça. Qu'est-ce que je fais? Après avoir pris ma douche, si je veux manger, je mange un bout. Je mets les interventions de chez Parfait ici. Et j'aime bien écouter la partie où Blériot Niemek parle. Mais j'ai écouté une vidéo ce matin. J'ai dit que si Niemek était devant moi, mon homme va tes noms. Je vais taper tes fesses avec ça. Si une de tes femmes ne t'a jamais fouetté, allez te fouetter avec ça. Mais Niemek, tu prends la force où? Pour dire que les Bamiléké sont des feignants, les Bamiléké. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi tu fais ça? Et tu es supposé être un enseignant. Blériot Niemek parle dans une vidéo, il dit que lorsqu'il a parlé de Francis Ngannou, tous les Bamiléké sont venus l'insulter. Blériot Niemek, je suis 100% Bamiléké, tu m'as vu là-bas. Hein, si un shooté. Tu m'as vu là-bas. Tu as entendu un jour que je t'insulte, Niemek. Pourtant, je suis Bamiléké. Il ne faut pas mélanger les choses. Vous êtes là, je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. Hein? Maintenant que tu as baissé ton charisme, on fait comment, Niemek? Tu as baissé ton charisme. Parce que moi, quand je prenais quelqu'un de sage, c'est-à-dire tu n'as pas perdu ta sagesse, mais ça ne va pas tarder. Ici, c'est un bon ténon. Quand Dieu t'a donné un peu de beauté, là, il ne faut pas faire ça, Blériot Niemek. Faut te méfier de ce qui sort de ta bouche. Faut te méfier parce que ce que tu fais là, c'est un conseil que je te donne. Il ne faut pas faire des choses comme ça. Toute une tribu, il y a une tripotée de personnes là, des connards là, qui sont sur la toile là. C'est surtout les pros professeurs, les pros, je ne vous trahirai jamais. Ils sont que si tu n'es pas avec eux, si tu n'es pas avec, je ne vous trahirai jamais, ils peuvent te manger. Moi-même qui suis Bamiléké, ils m'insultent. Et toi, Niemek, tu prends la force où? Pour dire que les Bamiléké, le lait là, ça te vient d'où? Comme les Bamiléké sont venus t'agresser. Et tu traites tous les Bamiléké comme des chiens, mais il faut faire attention, Niemek. Il faut faire attention, hein. Parce qu'on va venir te trouver là-bas sur le truc de Parfait ici, là. Faut pas nous attaquer, hein. Parce que nous, déjà, on est en train de vouloir laver nos images par rapport à ces gens-là. Les pros, je ne vous trahirai jamais. Les pros, je ne vous trahirai jamais. Parce que quand tu veux connaître, tu as dit, parfois, là, sur ma page, tu vois, il y a des gens. Je m'adresse à Blériot Niemek. Je m'adresse à toi. Méfie-toi de ce qui sort de ta bouche. Parce qu'il y a des moments, je vais te parler, Blériot. Il y a des moments où, parfois, je suis sur ma page. Tu vois les mails, là. Les mères, mes soeurs Bamiléké là, elles disent, ouais, c'est Dieu qui t'a envoyé, c'est Dieu qui t'a envoyé, big up à papa mi, big up à papa mi. Bon, Blériot, je vais te dire, on se connaît peut-être pas, je suis la fille de papa mi, la plus belle du Cameroun, tu vois. Et le jour où je parle de je ne vous trahirai jamais, que je dis que je ne souhaite pas qu'il soit président de la République, qu'on donne le pouvoir à un anglophone, elle se verse sur moi. Elle me critique. Il y a des moments où elle parle mal de moi tellement. Elle part et inbox. Elle dit aux gens, je vous avais dit que la fille là n'est pas claire, non? Elle cherche à attirer les gens. Elle raconte plein de trucs. Et quelqu'un d'autre vient m'envoyer leurs inbox. Moi, je lis parfois les inbox des gens. Et après, moi, je dis, mais pour qui elle se prend? Elle croit que je suis là pour les plaire ou quoi, machin, et tout et tout. Moi, je m'en fous de vous. Moi, s'il s'agissait que de moi, vous là, surtout les bafans, je me passerais volontiers de vous. Vous entendez? Tu entends un peu Niemek. Donc, quand tu ouvres ta bouche pour dire certaines choses, il faut que tu saches que tu es un pasteur, tu es un professeur, tu,
Tu dois avoir, parce que si tu fais comme ça, là, moi, je me rappelle mon ex-mari, il avait l'habitude de dire avec son frère Bokali, Emmanuel, que, il avait l'habitude de dire que, oh, les Bamileke sont que, quand tu amènes quelqu'un, tu amènes un chez toi, ils viennent nombreux, machin, des trucs. Pourtant, moi, ça me faisait peur, parce que, ils sont appelés à enseigner les Bamileke. Moi, je me suis dit, une fois, je les ai entendus dire, les deux, là, que, ouais, là-bas, ils envoient l'argent, ils font leur, ils envoient les enfants à l'université pour venir, et pendant les mémoires, pendant les soutenances, eux, ils plombaient, les deux là plombaient les Bamileke. Moi, je le dis, les deux là, Bokali et son frère, ils plombaient les Bamileke au vu de ce qu'ils disaient. Vous entendez avec quoi? Parce que ce qui sort de leur bouche n'était pas bien pour les Bamileke. Ils détestaient les Bamileke. Mais Niemé, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas. Tu es là, tu te vantes, tu dis que ouais, la télé t'a tout donné. La télé peut aussi tout te retirer. Ce qui sort de ta bouche peut tout te retirer. Méfie-toi, je ne veux plus t'entendre dire ça. Considère que je suis ta tante maternelle. Je ne veux plus, quelle que soit la haine que tu as. Moi, il y a des moments où j'ai envie de tirer sur une tribu très fort. Il y a des moments où j'ai envie de tirer sur les Bafang. Après, je me dis que, mais est-ce qu'ils méritent même que je tire sur eux? Il faut arrêter ça. Et les gars comme toi là qui passez, vous passez le temps à tuer l'unité nationale, il faut arrêter ça. Ça m'a énervé, hein. Je me suis dit que mais le gars là, il se prend pour qui? Il va venir dire que lui, voilà une autre Bamileke machine. Il faut arrêter ça. Vous savez que le Cameroun est sur un fil très sensible. Il suffit qu'on mette un petit fil comme ça, ça s'embrasse. Et les esprits sont chauds. Et les gens comme les jeux, vous ne vous trahirez jamais là. Je ne vous trahirai jamais. Il vit des énergies des gens. Il vit des énergies. Il est comme son fratère qui est au pouvoir là. Les deux là, c'est même pas même. Il vit des énergies des gens. Il aime quand les enfants des gens sortaient. Ils partent. Et derrière ça, les femmes comme les Justine Bourcam la profitaient pour baiser. Parce que c'est là-bas que Salomé a eu son... Le gars, il tourne là. Chacun tire son épingle du jeu. Ma soeur Justine, bonjour. En passant, je te salue. Bisous, ma chérie. Je t'aime. Tu es ma soeur. C'est dans ça là que les Justine Bourcam profitaient pour avoir Pi Mbangala, petit Mbangala comme ça là. Chacun tire ses intérêts. Donc, elles aiment quand ça dure. Elles aiment quand il n'y a pas la haine. Elles aiment quand il n'y a pas la calmie. La paix leur donne les urticaires. La paix donne les urticaires à toute cette bande-là. Vous croyez que, tu m'as tapé, quand vous allez encore faire vos, tu m'as tapé. Mais Blériot, moi, je te raconte une histoire et te dis ce qui se passe. Si ta sagesse n'est pas encore arrivée là. Vous croyez que les tu m'as tapé, Salomé Tchapche peut encore venir là-bas. Elle va sucer, comme elle est d'abord une femme serpent, elle va sucer le Mbangala de l'étonne là, jusqu'à un jour vous allez voir le gars là, il sera comme ça. Ça va venir nous trouver ici sur Facebook. Maintenant là, comme la paix dans les urticaires, même ma soeur de même mère, Justine Bouka m'a vu la dernière fois, elle me dit, c'est toi qui parles mal de mon père. J'ai dit, ton père c'est qui? Elle dit, je ne vous trahirai jamais. Bon. Ma Justine, bon, j'ai seulement dit que Beta, il y a encore des problèmes là-bas. Que Betty Assomo laisse un peu que ça chauffe à cause de l'histoire de Longuet. Comme ça, là, vous allez voir, ils vont encore sortir partie là. Calibri Calibo a fait l'amour pour sa première fois quand il y avait le boucan. Qu'est-ce que vous racontez même là? Les mères là l'attrapaient comme ça, elles le violaient. Ce sont des mères virulentes. Les femmes là ne jouent pas avec le Mbangala. C'est de ça, c'est de je ne vous trahirai jamais qu'est venu tous ces problèmes-là. Les gars là sont virulents, c'est-à-dire ils ne comprennent rien. Comme je ne vous trahirai jamais aussi dans les temples très élevés de la franc-maçonnerie. Je ne sais pas. Ils amènent les autres là-bas et puis son frater qui est au pouvoir amène les autres là-bas. Un jour, il tombe malade, il fait il ne quitte pas là-bas. On voit les sacrifices de Dieu, les sacrifices de Dieu. Il revient encore, papa est rentré. Lui et son frater, je ne vous trahirai jamais. Allez, nous, on les veut dehors. On veut un anglophone au pouvoir. Moi, particulièrement, je veux un anglophone au pouvoir. Il faut que ça change un peu pour qu'on voie comment les anglophones peuvent gérer. Moi, je voulais te dire que Plaire Biron, mec. Même nous, là, même moi qui suis Bamileke à 100%, ma mère est Banganté. Mon père était Bafang. Je suis Bafang. Mon père était Bafang.
La mère de ma mère est Bakaka Ngondjo. Donc les trois langues-là font partie de mon identité. Je parle les trois langues. Bakaka, Bangante et Bafang. Même nous, là, ça ne me laisse pas. Même moi, ça ne me laisse pas. Quand tu vois que quelqu'un est parti me vendre, parfois c'est un gars. Je vous avais dit cela, que la personne qui est partie dit à tout le monde que j'étais la reine des sorcières. C'est un gars Bafang de Bakou. Ndachwa. Ou c'est Ngotwa, ou c'est quoi. Mais je vais l'envoyer chez Mbankui. Il va aller se débrouiller là-bas. C'est un gars, le colonel Mbankui, on dit que tu es mauvais. Le gars là dont je vais t'envoyer là, il veut venir au pays doter sa femme. Il fait l'apologie de la criminalité ici. C'est l'un des gens qui veulent faire tomber votre mangeoire. Je vais te l'envoyer. Le jour où il vient comme ça, tu le prends, tu le manges cru. Au lieu d'aller taper longue. Tu entends avec quoi? Je vous ai dit que Play Bureau Niemek, ne gâte pas ton charisme. Arrête ta sorcellerie là. Ne deviens pas sorcier pour rien, parce que comme tu es déjà devant la télé de Parfait Haïti et que déjà on te voit, tu es un joli garçon. Nous, on ne peut pas s'empêcher de t'apprécier, mais ne commence pas ce que tu veux commencer là. Ne commence pas. Que oui, les Bamileke, c'est un peuple de ci, ça. Le langage, moi, je vais mettre la vidéo intégrale de ce que tu as dit des Bamileke publiquement. Et même, ils vont entendre ça. Et on va juger si on doit encore suivre tes pet-pet là. Faut pas faire ça. À un moment donné, tu es obligé de subir. Moi, on m'a insulté pendant un an ici sur la toile. C'était les Bamileke qui m'attaquaient. Hein? C'était les Bamileke qui m'attaquaient. Tu dis que tu es impartial. Ne parle pas des choses comme ça. Ça m'a choqué. J'étais tellement énervé que je me suis dit, mais qu'est-ce qui arrive à Blurion Niemek? J'ai dit, qu'est-ce qui arrive à Blurion Niemek? Toi, tu vas venir t'asseoir, tu vas parler de Bamileke, tu vas les traiter de con, de tout ce que tu as traité là. Mais ça ne va pas. Comment alors les étrangers vont nous traiter? Même moi-même qui suis là. Quand j'ai un problème, c'est toujours un Bamileke qui me fait mal. Ce n'est pas que vous. Je t'ai dit que depuis que Otimatape est venu, il a dit qu'il va être président de la République. Otimatape, il n'y a plus jamais eu la paix. Quand tu prononces, c'est-à-dire qu'il suffit que tu parles même seulement de Otimatape. Je ne vous trahirai jamais. Otimatape, son nom c'est Otimatape. Son prénom c'est je ne vous trahirai jamais. Il suffit que tu parles même. C'est-à-dire que tu donnes même seulement ton avis sur Otimatape. Mais il y a même des gens qui m'ont promis qu'ils vont finir avec moi parce que j'ai parlé de Otimatape. Hmm? Et les gens qui te promettent qu'ils veulent finir avec toi, là, parmi eux, il y en a certains qui demandent leur avis, leur asile ici. Hmm? Allez demander à Niad Barano, il va vous dire la vérité. Beaucoup de gars là venaient comme ça, là, ils disent que dit que j'ai les problèmes avec Paul Biya. Ils demandent l'asile. Maintenant, entre-temps, Otimatape, ça arrange à Otimatape qu'il y ait des problèmes. Parce que comme Otimatape était... Otimatape de Bahamas. Mais moi, je dis que Otimatape et son frère doivent nous laisser tranquilles. Nous, on veut vivre nos vies tranquilles. On ne veut plus qu'il y ait des crimes, c'est-à-dire que des crimes machés et tout. Hein, Blériot Niemek. D'abord, même le Blériot, l'animal qu'on appelle le Blériot, il faut pas déranger les gens. Quelqu'un parmi vous ne peut pas me commander un truc sur Uber, là, il m'envoie. J'ai commandé à nager faim, je n'ai rien mangé depuis hier. Hmm? Bonjour tout le monde. On est là, on est dans un pays, on a des problèmes, on a nos problèmes. On veut qu'un pouvoir qui nous fatigue quitte. Blériot Niemek quitte, il vient pondre une vidéo, il dit les Bamileke sont montés. Même Blériot, même entre nous les Bamileke, ça ne va pas. Je te dis que la personne qui nous vend, nous on est dans des lieux de service ici à Mbeng. La personne qui part me vendre, raconter des histoires, il me connaît même pas. Même si on lui dit dans la vie réelle que va te placer en face de la fille de Papa Mi. Moi j'ai 1m80. La beauté, le feu sort. Hey, j'ai jamais vu quelqu'un qui est belle comme moi là. Hmm? Le gars profite du fait que on se croise dans un service. Il n'a pas dit aux gens que vous voyez celle-là. Elle se fait appeler la fille de Papa Mi, elle est sorcière. Et maintenant, les vrais sorciers même qui bouffent les étoiles des gens, qui se préparaient à venir me rendre visite, ils viennent avant le temps.
Heureusement qu'on ne touche pas la fille de papa, mais quand tu me touches, les entités sortent, ils te font ta fête. Hein? Blériot, c'est dans ça que nous sommes. Ferme ta bouche, si tu n'as rien à dire parfois. Toi, tu es quelqu'un de très sage, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive, mon frère? Toi, tu vas parler, c'est toi qui vas parler de Bamleke comme ça. Un gars qui aime faire l'amour comme toi, là. Tu es sûr que les filles avec qui tu fais l'amour, là, il n'y a pas de Bamleke parmi? Mec, un gars qui aime draguer comme toi là, toi tu vas parler des Bamleke? Tu crois que c'est tous les Bamleke qui se comportent comme des animaux? Toi tu traites des Bamleke comme les animaux. Je vais mettre ta vidéo sur Facebook. Au moins on va laisser Zarmé quoi ça tranquille, on va s'occuper de toi. Je vais mettre ta vidéo sur Facebook. Et parfait, ici lui aussi, il ne peut même pas te recadrer, il te dit que non, tu es allé très loin. Mais qu'est-ce qui t'arrive, mec? Ça m'a fait mal, ça m'a fendu le cœur. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui lui arrive que subitement, il traite les Bamleke comme ça, comme de la merde? Tu l'as dit. Faut pas faire ça. Ne fais plus ça. Ne recommence plus. Quand Dieu t'a donné la salle, tu sais quoi, il va te parler, mec. Moi, que tu vois là, avant, j'avais les nerfs à fleur de peau. J'étais du genre que dès que tu touches les mains au cas le tout, c'est-à-dire que les gens savaient que pour me mettre dans tous mes états, il fallait toucher. Mais j'ai travaillé ce côté de telle en sorte que le baobab peut tomber ce matin, m'asseoir, ça tombe, après j'enlève ma tête comme ça. Et je reste la plus belle fille de papa. Tu entends avec quoi? Faut pas que l'émotion te laisse. Pour toi, un gars comme toi qui a la maîtrise de soi, l'émotion te... J'ai encore bien, ce matin, j'ai encore fait un remix de la vidéo, là, je suis revenu en arrière, je dis, mais c'est pas Niemek qui parle comme ça, mais moi, je peux reconnaître ta voix même dans la forêt, dans les bois. Niemek, fais attention à moi. Niemek. Non, c'était une vidéo où il parlait de Francine, où on faisait la vidéo, et puis il disait que j'ai parlé à Francine Ganou, les Bamileke sont versés de moi. Ces gens-là, c'est un peuple des idiots. C'est une diatribe comme ça, là, d'insultes sur les Bamileke. Je vais mettre ça là, vous allez la voir, c'est parce que je suis en pause. Nous, on est dans une, t'as dit, on est dans l'ère du verso Niemek. Écoute-moi très bien. Parce que moi, il y a des moments où je copie les sagesses de toi, hein. Faut pas croire, hein. On est dans une ère où, après l'ère du Verseau, il y aura les États-Unis d'Afrique dans ça. Les choses sont en train de se mettre en place. Tu vois un peu, non? Et pour que les choses se mettent en place, parce que s'il y a les États-Unis d'Afrique, il va bien avoir un pays qui sera la capitale des États-Unis d'Afrique. La Libye a voulu mettre ça en place et être la capitale des États-Unis d'Afrique. Et pour conquérir le monde, le Kadhafi avait l'intention, parce que Idriss Déby s'entendait bien avec Kadhafi. Kadhafi avait l'intention de laisser passer les nageurs pour qu'ils viennent envahir bien Benkemben sa province. C'est pour ça qu'on avait fini avec lui. Et avec ton langage là, moi je souhaite que ta fille épouse un gros Bamileke qui n'a pas de Mbangala. Niemek, je te souhaite ici que ta fille ou que ton fils épouse une gros Bamileke. Je souhaite ici que ta fille épouse un gros Bamileke qui n'a pas de Mbangala. Ou l'insulte que tu as fait à l'endroit des Bamileke. Tu entends quoi, avec quoi, mon chéri Niemek? C'est Pierre Bléro Niemek. Je te souhaite que tes enfants épousent les Bamileke. Et même le nganga que tu vas aller faire avec tes bonbons là, ça laisse pas pas. Toi-même là, tu es un marabout. Faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Niemek, il faut arrêter ça, ça n'a pas été sage de ta part. Moi, j'ai fait un direct pour en parler, je pouvais t'envoyer un message pour t'en parler, mais ce genre de personne comme toi, avec tes grosses fesses, il faut te fouetter en public. Il faut te fouetter en public. On fouette tes grosses fesses là. En public, je dis bien publiquement. Parce que quand tu es un homme aussi sage que toi, qui a la finesse, qui est raffiné intellectuellement, qui a la finesse, la sagesse brute, à l'état brut. Quand il veut commencer à se perdre, on prend ça. Et c'est moi qui vais te fouetter. Imagine le plaisir. Eh, Niemek. Ok, là. Je vais te fouetter. T'as dit, on te fouette, les fait fap, la sagesse qui était déjà en train de descendre dans tes pieds, là. Ça remonte dans ton cerveau. Mboko. Faut arrêter ça.
faut arrêter ça. Parce que l'autre qu'on appelle Otimatapé, il est... L'autre qu'on appelle Otimatapé, le frère de votre président là, lui, il aime ça. Il aime ça, ça nourrit ses égrégores. Il aime quand les enfants des gens sortent, ils partent casser, ils partent dire ah, Paul Biamaske. Machin. Pendant ce temps, ses enfants sont cachés en Allemagne. Il y a un autre là qu'on appelle Titia, il est là. Il est là sur les réseaux. Il est en prison depuis, on ne le juge même pas parce qu'il était allé marcher. Il est là sur les réseaux. Pendant ce temps, le soir, quand ils sont dans leurs obédiences, Otimatapé dit que, est-ce que j'ai bien travaillé, papa? Et son papa dit oui. Oui, mon fiston, tu as bien travaillé. Souvenez-vous de John Fundi. Nous n'avons pas, je vous avais dit que nous n'avons pas encore d'opposants au Cameroun. Il n'y a pas. Ils sont tous dans les mêmes obédiences. Otimatapé est franc-maçon. À quel moment il va défendre vos intérêts? Et il dit qu'il ne vous a jamais trahi. Il ne vous trahira pas. Pourtant, il vous a déjà trahi en faisant des obédiences différentes. Comme il a l'habitude avec son staff que quand quelqu'un parle de lui, il part, il dit à ses amis ici de sortir les dossiers sur les gens. Après, il envoie ça chez les gens qui sont autour de lui pour qu'on vienne parler là. Et que tu vas courir avec moi spirituellement. Otimatapé, lui, il a des bras longs ici en France, plus que son frater qui est Momo là, qui est déjà Momo là. Je parle de Otimatapé que vous voyez là. N'oubliez jamais que Otimatapé est le meilleur ami de Alain Moretti et que c'est quand Alain Moretti est venu au Cameroun, ils ont fait leur samseglé là. Alain Moretti est venu là-bas, les gens étaient là. Moretti quoi? So what? So what? On fait quoi avec Moretti? Moretti venait là-bas pour rappeler à l'autre frater que Otimatapé, c'est ton frater. Toi, tu es le frater de Otimatapé. On doit être soudés dans la franc-maçonnerie. C'est tout. Il est venu arranger les problèmes entre deux fratères. Vous entendez avec quoi? Otimatapé et son frater. J'ai eu plusieurs visions de ce Otimatapé-là. C'est pour ça que je ne le soutiens plus jamais. C'est fini. S'ils veulent, comme quand je dis quelque chose, ils font le contraire là. S'ils veulent, ils donnent le pouvoir à leur frère Otimatapé. Si on donne le pouvoir à Otimatapé, la première chose qu'il va faire, c'est de légaliser le tchéléisme. Je vais me répéter. Si on donne le pouvoir à Otimatapé, le Cameroun là que vous voyez là, il va légaliser les bêtises. Regardez autour de Otimatapé, leur meilleur ami. Des maîtres Alice comme toutes ces bagatelles-là. C'est des mêmes gens. Qu'on ne vous trompe pas. Donc, maintenant, mes frères Bamneke qui viennent là parce que moi, je vous enseigne des leçons sur la spiritualité. Vous venez, vous me prenez mes connaissances gratuitement. Vous n'aurez plus ça. Et lorsque je parle de Otimatapé sur ma page, vous venez commencer à dire des choses sur moi, à me critiquer dans les inbox, je vais vous bloquer. Non seulement vous n'aurez plus accès à mes connaissances, vous allez payer pour avoir mes connaissances. Ça ne vous plaît pas. C'est dans ma tête, c'est mes connaissances, ce n'est pas à vous. Beaucoup d'entre vous ont créé des pages à mon nom qui anarquent même les gens. Il n'y a aucun nom qu'on m'a donné. Il n'y a que le nom d'une fille là, la fille de la femme, là, l'ancien marabout de Popi là. Que sa fille est en train de voler avec elle. Elle est là-bas à Bombang, la ville la dépasse. Sauf que jour, je vais mettre pied au Cameroun, je vais aller l'attraper, elle va me dire depuis quand elle doit prendre l'argent avec le nom de quelqu'un qui s'appelle Kameni là. Je vais l'humilier si elle n'arrête pas ça. Et encore un autre gars, Bassa, là. Le gars là qui a la page, que je vous avais monté sa page. Il y a une autre, l'autre là qui est sur ma page, il rit avec moi, pourtant il a... Et maintenant, toutes les autres pages, quand je vois un numéro qui anarque, on m'envoie ça. Quand on essaye d'envoyer là, c'est les Bamileke, vous venez prendre mes enseignements sur ma page. C'est mes frères, vous venez prendre des enseignements sur ma page, vous partez anarquer les gens avec ça. Vous prenez mes photos. Dès que je mets une photo, pas, même pas deux minutes, c'est déjà, vous faites déjà le mercantilisme avec la photo où j'ai brandi mon passeport la dernière fois. On m'a filmé ça. Quelqu'un qui prend ça, il met dans les groupes. Il dit, me voici qui vient, mes enfants, préparez-vous votre argent et tout et tout.
qui vient où? Vous êtes sur ma page parce que vous voulez connaître ma position. Vous voulez connaître si je peux au pays pour dire aux gens que, ouais, voilà, je suis sa collaboratrice au pays. Vous voulez connaître si je monte pour avoir les infos de moi parce que vous savez que je ne tarie pas de connaissances. Donc, je m'en fous de vous. Je m'en fous et royalement, je m'en badigeonne le pli du sillon interfessier avec un pinceau d'indifférence, wesh. Je m'en badigeonne le pli du sillon interfessier. Mon enzatena avec un pinceau d'indifférence. Je m'en badigeonne le pli du sillon interfessier avec un pinceau d'indifférence. Vous ne pouvez rien m'apporter. Vous êtes d'abord radin à souhait. Donc, quand je parle de Odima Tapé, c'est parce que je suis à 80% près de la vérité. Odima Tapé, lui, c'est les gens qui sont... C'est-à-dire que c'est des gens qui mangent la nuit, ils mangent la nuit avec Bia. Ils viennent le matin vous raconter. Vous allez voir l'histoire de Longuet Longuet là. Les faux opposants ont voulu utiliser ça, mais leur corps pèse. Leur corps pèse parce que dans leur truc là, ils disent que c'est leurs intérêts. Vous qui êtes sur ma page là, vous me donnez quoi? Pourquoi que si vous n'êtes plus là pour me regarder? Moi j'ai existé, ça fait des années, depuis qu'on a créé Facebook. Moi j'ai toujours fait des enseignements, avant c'était pas écrit. Ceux qui me connaissent sur ma page Edwige Strauss-Kahn peuvent en dire long. C'était des vraies personnes même. Je me rappelle de mon frère Mbala qui vivait en Suisse. Le gars qui a une nouvelle PlayStation sortait IPS à mes enfants. Je n'ai jamais vu de ma vie. Vous voulez m'apprendre quoi? Que quand je viens parler de Odima Tapé, que je dis que Odima Tapé doit arrêter la manipulation. Parce que lui et Bia, ils sont pareils. Moi, vous venez me dire quoi? Avec vos gros gros noms de Baham, vous croyez que quoi? Vous croyez que quoi? Vous croyez que vous avez trouvé quelqu'un qui était là, machin et tout? Moi, je vous dis, c'est ce que je pense. Après, ça reste mon avis. Vous n'êtes pas obligé de dire des choses aussi graves dans les inbox des gens. Parce que les gens à qui vous dites, parfois, il y a des gens parmi qui j'ai intervenu pour eux spirituellement. Ils reviennent dire la mère, voilà, tel machin m'a dit sa mère, ne lui dis pas. Moi, je dis, je vais lui dire pourquoi. Je vais lui dire pourquoi. Moi, je comprends que vous voulez former vos clans des sorciers, mais de grâce, laissez souvent mon nom tranquille. Si ça vous excite comme insulte, moi, je vous dis, moi, j'ai la ceinture au-dessus de la classe, moi, j'ai plus peur des insultes. Je vous ai dit ici plusieurs fois que depuis un bon bout de temps, j'ai très, très mal aux yeux. D'où les lunettes optiques qu'on m'a prescrites. Quand je me lève le matin à 4 heures, c'est-à-dire mon réveil est toujours à 5 heures, parce que je suis quelqu'un qui bosse. Je ne suis pas comme aile de poulet. Je fais, c'est-à-dire, j'ai le meilleur dentifrice enfant qui coûte, c'est-à-dire, mon dentifrice coûte au minimum 6 euros et quelques. Je me brosse les dents, je me lave le visage. Je viens, parce que je n'ai pas mis mes lunettes de vue. Je viens, je suis en train de vous donner les enseignements. Vous êtes en train de regarder juste ce que j'ai sur les yeux. Vous voyez le truc, les trucs qui sortent dans les, yeux là. Moi, quand quelqu'un m'intéresse, quand je l'écoute, je ne regarde même pas sa morphologie. J'écoute ce qui sort de sa bouche. Juste pour peu. Quelque chose que si j'avais mis les lunettes, vous n'aurez pas vu. Vous, ça dit qu'on est dans un pays où on vous a les gens comme les Odima Tapé avec son frère, vous ont lobotomisé la cervelle. Sortez de là. Je vais parler à mes frères Bamileke. Bafang surtout. C'est plus les Bafang. Vous savez, vous êtes un peuple mauvais. Vous êtes de nature mauvaise. Et je vous envoie à Bafang. Allez voir comment votre village est. Vous partez voir comment Bangjoun est construit. Vous partez voir comment d'autres bâtiers, d'autres villages là sont construits. Vous allez comprendre à quel point vous êtes maudits. M'adresse à mes frères Bafang. Tous les problèmes que j'ai au quotidien, c'est les Bafang. C'est bizarre. Hier encore, je parlais avec une fille, je me disais, mais est-ce que c'est une coïncidence? C'est une simple... Est-ce comme ça que vous êtes malsain? Moi, je voulais vous dire que moi aussi, je ne vous aime pas. Puisque la plupart d'entre vous dites que je ne l'aime pas, machin et tout et tout. C'est vous qui parlez mal de moi. C'est vous qui organisez les coups montés contre moi. Je voulais dire à mes frères Bafang que vous ne m'aimez pas, c'est réciproque. Vous êtes foncièrement jaloux. Vous êtes, c'est-à-dire que quand tu arrives, je me rappelle une année, j'arrive à Bakou. Et Emedek, c'est le maire de Bakou. Il sort de nulle part avec sa grosse voiture qui ressemble au cercueil. Il vient, il dit que c'est Odima Tapé. Je suis en train de filmer les flaques debout. Je dis, regardez Bakou. J'étais en direct. Je dis, regardez Bakou.
et me dit, c'est-à-dire que je dis, regardez Bakou, la capitale, t'as dit Bakou à l'époque quand on était petit. Emedek, un gars bafang qui n'a même pas 5 francs pour manger, il part soulever Emedek qui est en train de baiser les petites villageoises dans son lit, le maire de Bakou. Emedek se lève de son lit, il vient, il met sa grosse 4x4, il appelle la gendarmerie de Bakou de venir m'attraper. Je parle de Emedek, le maire de Bakou. La gendarmerie vient, ils disent que mais ça c'est la fille de papa Mi. Il y a un gendarme qui dit mais c'est la fille de papa Mi. On dit qu'est-ce qu'elle a fait? Il commence à babiter, Oti m'a tapé. Il dit que c'est Oti m'a tapé, je ne vous trahirai jamais, qui m'a envoyé, je suis un espion. Le commandant lui demande que, mais comment, il y a un gendarme qui travaille à Bakou depuis, qui est là-bas. Il lui dit que, mais l'enfant, si on l'a vu descendre, c'est papa, mais même autant de Zemen, je me rappelle un jour, Zemen a dit qu'il me demandait à Maria, papa, mais il a bien botté le postérieur. Même autant de Zemen, c'est un monsieur qui avait une 4x4 sur la route de Bafang, Komako. Même autant de Zemen, ce gendarme-là était là. Il me voyait descendre parfois dans l'OPEP de Zemen. Zemen est mort, paix à son âme. C'était le cousin des Yuende. J'avais appris que c'était les cousins des Yuende. Et Medek se permet de venir dire qu'on m'arrête à Bakou. Que c'est Oti m'a tapé qui m'a envoyé, que je suis un espion de Oti m'a tapé. Le jour là, j'ai dit à Emedek, à l'époque là, j'étais encore dans le truc de Oti m'a tapé. J'étais encore dans le MRC, le parti de Oti m'a tapé. J'étais une fervente MRC, c'est moi qui a même imposé le MRC à Toulouse. J'étais encore dans le parti de Oti m'a tapé. J'ai dit à Emedek, tu crois que si Oti m'a tapé peut m'envoyer pour venir dans mon village parler. J'ai dit à Emedek que tu t'as mis. Et comme ce jour du marché, après j'ai fait un one-man show là-bas. Les gendarmes lui ont dit que mais cet enfant, on l'a connu, un gendarme qui... Il a dit on l'a connu toute jeune, papa m'y descendait tout ici avec elle, il est mort. Et il y a un autre qui lui a dit que mais ce n'est pas le successeur de papa m'y là-bas. Comment tu peux venir? Il a dit à Emedek qu'il faut l'arrêter toi-même. Commandant est lui parti rester dans son bureau. Et pour lui quoi? Parce que s'il m'arrêtait, je descends là-bas à Komako, je tourne les esprits, je lui renvoie ça là-bas sur sa tête à Bakou. Là, on en est avec quoi? Amedek et moi, on s'est chamaillé dans la boue. Il a garé sa 4x4. Moi, j'étais dans la boue avec mes tchanchous pendant au moins une heure de temps. C'était un spectacle. Voilà vos responsables. On dit même comme ça, hein. Il associait mon image à Oti m'a tapé. Imaginez-vous que je n'étais pas une personne qui fait le bruit quand on l'énerve. Amedek allait monter le coup. Le commandant allait me prendre. Ils allaient me trimballer, bouffer tout mon argent. Parce que c'est des escrocs. Ils ont le besoin d'avoir 250 nanas. C'est comme ça que le Mbangala est malade. Ces hommes en tenue là, 80% parmi eux, le Mbangala est malade. Le Mbangala, yo poor. Pour yo pied tes peaux. Venez taper au bas de mes pieds la machette. Leur quoi, parce qu'ils pinent comme des chiens, ils pinent comme des chats. Ils ont besoin de piner tout le monde pour se sentir à l'aise. Amedek, un maire, depuis 7 mandats, 8 mandats, Amedek s'est placé en plein carrefour pour dire qu'on vienne m'arrêter, que c'est Oti m'a tapé qui m'a. Moi, je vais aller libérer ma collègue pour qu'elle aille aussi à sa pause. Franchement, moi, je voulais dire à Blairon Yemeki qu'il arrête ces conneries-là parce que nous-mêmes, entre nous, ça ne va pas. Je suis en train de te parler plusieurs figures ici de quelqu'un qui est de chez moi. Il est de chez moi. Il a un collègue. Je viens dans un service, je le crois. Il n'est même pas titulaire dans ce service-là. Lui, il n'est que vacataire. Il vient, il a son boulot ailleurs. Il vient, il dit à tout le monde que je la connais. Celui-là, on le sort du cadre de ce service-là. On lui dit encore que je la connais. Même ses noyaux vont tomber, il ne va même pas pouvoir bander comme un homme. Et c'est mon propre frère, je dis Bakou. Là, tu vas venir, tu fais une vidéo. Je vais vous mettre la vidéo de Niemek où il insulte copieusement les Bamileke. Maintenant, vous faites de lui ce que vous voulez. Comme ça, il va devenir ça. Parce que quand un enfant veut se perdre, Niemek, toi qui es le père des paraboles, je veux aussi te dire, quand un enfant sage veut se perdre, on le remet à sa place avec des coups de fouet. Tu dis que les Bamileke sont venus t'insulter et pourtant, ce n'est qu'une tripotée de connards.
une bande de Oti m'a tapé. Maintenant, là, les vrais Bamileke vont te parler. Et je vais revenir te parler sur ta page. Mbako.